Moin, wir sind Geeks Live Luxemburg. Wir stehen hier um Free Comic Book Day beim Inked Geek, wo bei dem Tag mitmachen. Wir sind hier, Mom. Dan. Kim. Ihr seid Patron vom Inked Geek? Seit 2011, wo wir den Shop haben. Und seit 2012, wo wir den Free Comic Book Day mitmachen. Wie ist so eure Erfahrung, die Response vom Free Comic Book Day? Bis lo positiv. Viele Leute, die zusammenkommen, die das nämlich Leidenschaft tun, mit denen zusammen sind, neue Leute kennenlernen, und die Familie geht immer mehr groß. Wegen Event da heute haben, also aufgesehen vom Free Comic Book Day selber? Also am ganzen Jahr haben wir alle Comic Fest, wo so gemerkt hat, wo wir mitmachen, wie das Halloween Comic Fest. Nächste Weekend der gratis Comic Book Tag, der noch in Deutschland groß bekannt ist, seit wie viel Jahren? 6. Wie gesagt, wir probieren so, das immer ein bisschen mehr und gut zu kriegen. Von den Special Guests, die heute hier sind, wen hat er da? Von den speziellen Leuten, die wir heute hier sind drei Zeichen aus Lützebüsch. Einke der René Clément, einke den Anthony da und einke den Indigenen. Ihr habt auch noch ein Gewinnspiel. Was könnt ihr als Story über sagen? Wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Das geht für die am Kostüm kommen, wo wir Fotos haben. Die sehen wir hier nur raus. Wir haben die auf Facebook drauf. Und den, den du am meisten Likes drauf kriegst, der gewinnt dann ein Tattoo für 4 Stunden von einem Superhero oder Supervillain. So, Mensch, merci. Und merci für das gute Event. Tschüss. Ja. Bonjour, on est du Geeks Live Luxembourg, ici en Guéron, ce réservoir. Et qui êtes-vous? Je suis Jérôme du réservoir, Christophe. Vous avez fait un event aujourd'hui, c'était lequel? Le Comic Book Day. On avait distribué des comics gratuits, quoi. On ne fait pas tout. Je l'avoue là, moi, c'est seulement un deuxième pas pour le Comic Book Day. Et, mais on a distribué. En France, on a quelques comics, hélas. Pour les éditions francophones, on n'en a pas beaucoup. Normalement, là, il y avait 6 titres qui étaient disponibles. Et donc, on a distribué pendant toute la journée 6 titres complètement gratuits, du Marvel, du Urban Comics. Alors, dans cette crise, on prend simplement que l'année prochaine, on prend encore plus. Ça fonctionne bien, les gens, ils aiment bien. C'est la première fois que vous avez fait un jury. C'était la deuxième, en fait. Mais en France, en fait, ça va bien. À nous, il faut développer surtout la publication française, en fait. Et c'est, ça a débarqué des États-Unis seulement l'année dernière, en fait, pour la France. C'est vraiment tout jeune, ça vient juste de commencer. L'année dernière, par exemple, il n'y avait que 2 titres à distribuer. Donc c'était vraiment pas grand chose. Là, cette année, il y a déjà quand même 3 fois plus de titres. Ça commence à prendre l'ampleur chez nous et ça devient intéressant. Pour la deuxième fois, c'était un bien succès. Oui, ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a de plus en plus de monde. Alors, on a été dépassé, je pense qu'à partir de. Déjà à partir de midi, il y avait des titres qu'on n'avait plus et à 16h c'était fini, on n'avait plus rien. Non, c'est vraiment, on est impressionné. Il y a vraiment un bout de neige de plus en plus, vraiment, ça marche très bien. Les gens les aiment bien. Il y a un jour dans l'année où on donne des trucs gratuits, donc ouais, forcément, ils aiment bien. On va profiter. Pour prochaine l'année, vous faites aussi? Ouais, c'est cool. Ah ouais, on fait l'année prochaine, il n'y a pas de mal, quoi. Rendez-vous le premier samedi du mois, on le refait, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir si ça marche aussi. Ouais, ça marche, ouais, j'espère. Moi, je dis merci. Pas de rien, pas de problème. Et bonne chance pour la prochaine fois. Der Teil war ein zweites Mal für Comic Book Day. Und wenn du das Jahr in der Teil warst, guckt nächstes Jahr hinzukommen. Ich komme da direkt. Nee, ist normal, ich komme. Du bist doch nervig. Hallo. Ja, ich gucke gerade, was wird zwischendurch. Tell you, fuck, there's no watching for the whole.